Salut les collectionneurs, donc la dernière vidéo j'avais mis un maillot du Mexique et ça a porté chance puisque le Mexique a gagné. Bah là cette fois-ci je mets un bon maillot des Diables Rouges et on espère qu'ils vont gagner. Allez les Belges, une fois. Alors je vais vous présenter donc des petites nouveautés en vinyle. C'est pas forcément des albums qui viennent de sortir, mais en tout cas ce sont des albums qui sont neufs 2018, voilà. Alors, je vous avais présenté la dernière fois des albums de Nino Ferrer et il se trouve qu'en fait, ils ont décidé de les rééditer en neuf et à pas trop cher, donc à 12 euros. Donc, je sais pas s'ils vont rééditer tous les vinyles de Nino Ferrer, ça nous ferait bien plaisir pour ceux qui ne les ont pas encore, mais en tout cas, bon, ils ont réédité des classiques. Pour l'instant, il y en a trois. Je vous présente deux albums, hein, puisque en fait, Blana, je l'avais trouvé en occasion à 2 euros. Pas besoin de le racheter, et par contre il y a deux albums que je n'avais pas que j'ai eu à 12 euros. Voilà, ça c'est cool. Donc il s'agit de Nino Ferrer, oula, il y a un reflet, and legs, avec une pochette un peu bizarre avec des yeux, et hop, on retourne, hop, alors Nino Ferrer. Donc on va l'ouvrir, comment pour voir comment ça se présente, hein, je ne l'ai pas encore ouvert, hop, toc. Hop, avec le petit cutter qui va bien. Alors celui-là, il est assez épais. On dirait que c'est une grosse pochette cartonnée. Donc je ne sais pas si ça ressemble à l'original. En tout cas, hop, c'est un gatefold. Donc hop, qui s'ouvre comme ça. Hop. Je vous montre. Donc avec son groupe. Legs, et donc on a un album qui vient, je pourrais y arriver, oh, il est coincé, hop, alors, des fois qu'on le dit, ah voilà, donc, pochette blanche, ah, c'est simple, et donc l'album il va être noir forcément, hop, toc, voilà, Riviera. Donc c'est une réédition du disque de 73 de Barclay. Voilà, car des albums cultes de Nino Ferrer. Hop. Ah, comment ça se... Voilà. Je le remets. Et donc il y a un deuxième album qui est peut-être son album le plus culte, hein, mais qui s'appelle Metronymie. Qui n'avait pas beaucoup marché à sa sortie, hein, parce qu'effectivement, je vous avais déjà expliqué que Nino Ferrer, il avait eu une époque très poète-poète, les cornichons, Mirza et tout ça, et que quand il a voulu s'adonner au, je sais pas, au rock un peu progressif, un peu barré, expérimental, les fans n'ont pas suivi, et du coup, on se retrouve avec cet album qui est un des albums les plus aboutis, qui s'appelle Metronymie. Voilà. Qui est difficile à trouver en version originale à moins de 30 euros et donc qui est là, qui est ressorti à 12 euros. Et ben ça nous fait bien plaisir. Donc pareil, hop, Riviera, album noir, rien de spécial. Ce sont des rééditions qui font bien plaisir. Voilà, à pas cher, 12 euros. Voilà, donc ça c'est pour les Nino Ferrer. Après, donc il y a un album que je ne sais pas pourquoi je n'avais pas acheté, U2 Clang, U2 Clang, pourquoi je dis, alors U2 Clang, c'est des mecs qui chantent Sunday Bloody Sunday en version hip-hop, non, le U2 Clang, bien sûr. Voilà, donc qui est sorti en version best-of, You Can Have Greatest Hit. Et donc, qui est sorti en version, hop, grise, non, pas la version de Travolta, en version grise, avec des petites versions marbrées noires, voilà. Donc, ce sont les meilleurs titres du U2 Clang, voilà, en version double vinyle, et qui est encore dispo à la Fnac, aux alentours, hop, de 17 euros. Autant se faire plaisir. Voilà. L'album couleur. Qu'on peut avoir des couleurs, c'est cool. Voilà. Donc ça, c'est
à votre album que je voulais depuis longtemps, mais qui est difficile à avoir en version originale, c'était The Notorious Big, le best of greatest hit, donc Notorious Big, ah, qui est pas donné non plus. Là, je trouve que pour le coup, ils ont un peu abusé sur les tarifs. J'ai dû l'acheter 21 euros. Bon, ça va encore, mais ça reste de la réédition. Bon, voilà. Alors, à l'intérieur, donc, on se retrouve avec un petit livret. Toc, des belles photos. Voilà. Est-ce qu'il y a les paroles des chansons? Non, c'est juste les titres des chansons avec les productions, qui c'est qui a participé aux chansons, mais il n'y a pas les paroles. Voilà. Donc, on se retrouve avec un double vinyle. Hop, deux pochettes blanches. Voilà, et des albums noirs. Rien de spécial. Et la pochette n'a pas une définition extrême, hein, donc un peu pixelisée. Alors je ne sais pas si ça correspond effectivement à la pochette originale qui était aussi pixelisée que ça, je ne saurais pas dire. Voilà. Bon, en tout cas, c'est plutôt sympa comme réédition. Et on a des titres qui tuent, quoi. Double vinyle, très très bon. Alors, ensuite une sortie, je vous en avais parlé, ah bah oui, quand même, parce que c'est un peu la sortie de l'année, les Niçois, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien avoir comme groupe à Nice? Bah oui, bien sûr, Hyphen, donc qui ont sorti leur nouvel album, et que j'ai déjà écouté, mais pas encore en vinyle, comment je suis? Ouais, j'ai beaucoup de retard, toc, et donc l'album Hyphen, et donc avec au centre, avec un rond central, les titres des chansons. Et donc version noire. Non, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de version collector de ce disque. Non, 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 non. Il est sorti qu'en version noire. Voilà. C'est déjà pas mal de l'avoir en vinyle, ma foi. Donc iPhone, si vous ne connaissez pas, allez écouter ça. C'est très 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 bon. Voilà. Un petit album single. Alors je n'achète presque jamais de 45 tours, de Matic 45 tours, mais là en fait il y a une réédition des albums de Mylène Farmer, je sais pas, je crois qu'ils en ont sorti 10, au moins 10 albums single pour des titres qui étaient difficiles à trouver, enfin qui montaient dans les tarifs et tout ça, et donc ils ont réédité pourvu qu'elle soit douce. Pourvu qu'elle soit douce. Et ouais. Alors, j'avais déjà acheté un album, un ou deux singles de Mylène Farmer, parce que c'est vraiment les titres que j'adore. Voilà, Désenchanté, bah oui, Désenchanté, un des meilleurs titres de Mylène Farmer. Et là, il y avait Pourvu qu'elle soit douce. Pour ceux qui comprennent les paroles, c'est des paroles assez adultes, hein, que tout le monde. Enfin voilà, il y a un double sens. Bon, bah ça, c'est une ode. Pourvu qu'elle soit douce, mais de quoi on parle? Mais les petites fesses, pourvu qu'elles soient douces, et par devant, par derrière, enfin, si vous avez compris. Et donc, bah, le vinyle est plutôt joli, hein, c'est-à-dire que la photo du centre du vinyle est plutôt sympa. Je vous le montre, voilà. Donc version classique et version remix qui dure 6 minutes 30. Et je trouve que vraiment, bah du coup, la pochette avant, avec cette photo de Mylène Farmer en sous-vêtement, est assez sexy, sympa. Et donc, c'est un album Maxi 45 tours qui vaut 12 euros. Voilà. Et ça les vaut, parce que regardez-moi cette pochette. La version originale est difficile à trouver, donc c'est pas cher. Alors, ensuite, on passe à autre chose. Un album que j'ai hésité à acheter parce que je me suis dit, ben ouais, pourquoi l'acheter en neuf alors qu'il y a des versions originales cachettes, enfin qui sont à vendre et qui ne sont pas forcément plus chères. Et ben je l'ai acheté tout simplement parce que cette réédition de la version originale possède un petit bonus. Il s'agit de. Voilà, de Thiéphen. Hubert Félix Thiéphen, premier album. Et pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que. En fait, il y a l'album original et sur le deuxième vinyle,
se trouve une version en concert qui n'avait jamais été éditée auparavant. Donc on se retrouve avec le disque original et en plus on a une version en concert enregistrée à Lons-le-Saunier. Donc ils appellent ça bootleg. Bon, à partir du moment où c'est un album qui est vendu dans le commerce, bah c'est plus un bootleg, mais ils appellent ça bootleg tout simplement parce que c'est un enregistrement qui n'a pas été fait officiellement. Voilà. Donc on a l'album original et la version non officielle, enfin qui est maintenant édité originellement avec l'album. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Alors ils ont fait une réédition de tous les albums de Bjarte Stephen, c'est-à-dire qu'ils ont fait un coffret de base avec trois albums qu'on achète à 75 € et puis après on achète chaque album qui est réédité aux alentours autour de 20 €. Donc ouais, non, c'est pas forcément un bon plan. Acheter les albums originaux, c'est aussi bien. Voilà, mais sauf que bah, le premier, on a un album live en plus. Voilà, je vous le montre, il est beau, Gatefold. Et donc on a l'album original, toc, avec les paroles des chansons. Tout corps vivant branché sur le secteur est appelé à s'émouvoir. Et donc le deuxième avec juste les titres des chansons et la version vinyle concert un peu qui n'avait jamais été sorti auparavant avec voilà. Je vous le montre. Donc ça vaut quand même le coup parce que du coup on achète un vinyle à 20 €, c'est pas la version originale mais on a un vinyle supplémentaire. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Et donc le dernier, non, j'en ai encore deux à vous présenter. Le dernier album de Morshiba qui vient de sortir. Hop, Morshiba, Blaze Away. Et donc quelle couleur a-t-il? Alors c'est la version collector, je ne sais plus si elle est encore disponible. Moi j'achète toujours, je préco toujours les versions collector parce que forcément ça décote moins vite que les versions vinyle classique. Et donc quelle couleur? Hop. Violet. Et ouais, le dernier album de Morshiba que vous pouvez aller voir en concert, ils vont faire une tournée en France en version violet, en Blaze Away. Très sympa. Toc. Et donc le dernier, c'est une réédition qui était sortie en 4 vinyles auparavant, mais qui ressort en double vinyle, qui est un maxi best of, enfin best of, ouais. Les plus grands titres de Phil Collins. Voilà. Avec double vinyle, avec la plupart de ses grands titres, hein, In the Air Tonight, Easy Lover, Two Hours, Another Day in Paradise, Both Sides of the Story, Can't Stop Loving You, voilà. Hop, mon disque noir, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, hein. Il y a plein de sorties, plein de choses, et la prochaine vidéo, j'ai des sorties, mais énormes, du très très lourd à vous présenter, enfin des rééditions de disques qui n'étaient pas sortis depuis longtemps, en neuf également, voilà. Je vous souhaite, j'ai passé un très bon 21 juin, fête de la musique, c'était bien, j'espère que vous avez profité aujourd'hui, j'espère que la Belgique va gagner, voilà, et je vous souhaite un très bon week-end, ciao !